demande aujourd'hui un point important et franchi. Leçon 30, un point important et franchi. La leçon 30, vous arrivez à un temps vraiment crucial pour votre trajet du français. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, vous avez maîtrisé beaucoup de vocabulaire, vous pouvez s'exprimer dans beaucoup de situations différentes et vous pouvez même comprendre plusieurs tournures et plusieurs expressions en français. Maintenant, si vous allumez la télévision, normalement, vous pouvez comprendre grosso modo. Presque la moitié. Vous pouvez suivre le sens, ce qu'on dit dans la radio même et aussi à la télévision. Et un autre point important, c'est les règles grammaticales. Vous avez acquéri sont presque qui couvrent hein, ces règles couvrent presque la majorité des règles importantes en français. Plus tard, dans notre cours, nous avons d'autres volumes comme le volume cours de langue et de civilisation. Il y a 4 tomes. Ça couvre beaucoup plus en détail. Mais pour l'initiation au français, tome 1, tome 2, le cours français élémentaire, déjà assez largement, ça couvre presque tout, presque la totalité, mais pas vraiment en détail. Hein, mais déjà, vous avez appris quelque chose de solide, je vous dis, quelque chose de solide en français. Et donc, il ne faut pas baisser le bras, hein. Il ne faut pas croiser les doigts non plus. Mais je vous dis vraiment bravo, hein, bravo et félicitations d'arriver jusqu'à ce point, jusqu'à maintenant. Bon, on va dans quelques semaine encore, dans quelques vidéos encore, on va terminer notre série de français élémentaire. Il y aura encore beaucoup d'autres séries, mais là, vraiment, je vous dis un seul mot, vous avez franchi une étape cruciale, importante dans votre vie, dans votre parcours de français. Et parce que, simplement, jusqu'à maintenant, grosso modo, 50% de ce qu'ils disent quotidiennement en français, vous pouvez normalement suivre et maîtriser. Hein. Bon, maintenant, allez, on va y aller encore. Les sports, hein, la page 428. L'après-midi, hein, l'après-midi, nous retournons au terrain de sport. Và buổi trưa thì chúng tôi quay trở lại, nous retournons au terrain de sport, quay trở lại cái sân thể thao et nous demandons s'il y aura encore des courses, và chúng tôi tự hỏi, et nous demandons s'il y aura encore des courses, bộ liệu vẫn có sẽ có các trận đấu hay không? Pardon. Il y en aura plus, il y en aura plus, sẽ không còn nữa, mais sur le terrain, nhưng mà trên trên sân đó, trên cái quảng trường đó, sur le terrain, des jeunes gens, có các bạn trẻ, những người trẻ, des jeunes gens. C'est-à-dire, ce sont les personnes, ne sont pas encore les adultes, vẫn chưa phải là người lớn, mais ils sont plus grands que ces petits. Plus grands que ces petits. Ở trường có nhiều cấp độ lớp, khác nhau, đây là những cái cấp độ, những cái lớp lớn. Des jeunes gens et des jeunes filles font des mouvements ensemble, biểu diễn những cái động tác chung với nhau. Ensemble, vous voyez comme ça là biểu diễn những cái động tác cùng với nhau. C'est très joli à regarder, nhìn rất là dễ thương, rất là bắt mắt. Puis, nous demandons où sont ceux qui nagent. Sau đó, chúng tôi hỏi xem những người bơi ở nơi nào. Où sont ceux, những người mà, ceux qui nagent. Où sont ceux qui nagent, những người mà, bơi đó, bơi lội thì ở đâu, ok? Il paraît, verbe paraître, có vẻ như il paraît, it seems that, it seems like, ok? Có vẻ như il paraît que, il paraît que, ils sont, ce sont les nageurs, ils, c'est-à-dire ceux qui nagent, les nageurs. Ils sont là-bas, có vẻ như họ ở đằng kia kìa. J'y vais, mình đi đến nơi ấy, j'y, y, c'est un lieu, là một cái nơi nào đó, c'est un lieu, j'y vais, je vais,
à, je vais à ce lieu, et donc coucou, j'y vais, mình đi đến nơi, nơi ấy. Les voilà, họ đây rồi. Ils nagent en ligne droite, họ bơi thành đường thẳng, ils nagent en ligne droite, puis revient, sau đó quay trở lại, revenir, puis repart, sau đó lại bơi đi nữa, bơi lại, bơi đi. Nous voyons aussi une partie de ballon dans l'eau, và một trận, một cái nhóm chơi, une partie, những trận đấu, một trận trò chơi, banh ở trong nước, une partie de ballon dans l'eau. Les jeunes gens courent et tournent dans l'eau en riant. Các người trẻ, các anh trẻ, les jeunes gens courent et tournent dans l'eau, vừa bơi, vừa xoay người trong nước en riant. Tất cả đều vui cười en riant, vừa cười vừa vừa chơi vừa quay người trong nước. In mouille, verbe mouiller, mouiller làm ướt. In mouille le cheveu, họ là các anh ấy làm cho tóc bị ướt. Ils ont la bouche pleine d'eau, ils ont la bouche pleine d'eau, mấy cái miệng thì đầy nước, cái họng đầy nước, comme ça là hả? Les têtes mouillées, têtes mouillées, et les bouches pleines d'eau, họng thì đầy nước. Mais ils rient encore plus fort, nhưng mà các anh ấy lại lại còn cười còn dữ hơn nữa. Rire, verb rire là cười, encore plus fort còn dữ, dữ hơn, mạnh hơn, hả? Dữ hơn, mạnh hơn nữa. Ils sortent de l'eau en frottant le dos pour essuyer, hả? Họ ra khỏi nước, verb sortir, sort de, họ ra khỏi nước, rồi lau, en se frottant, frottant le dos, lau lau chà kỳ trên lưng, verb frotter, lau cái lưng bằng cách là lau, pour essuyer, pour làm khô, để làm khô, et pour se sécher, vừa lau vừa làm khô, pour se sécher, làm cho khô ráo, et en s'enveloppant, và enveloppe nghĩa là bao quanh, vấn quanh, comme l'enveloppe là le nom, maintenant ça c'est le verbe, là động từ en s'enveloppant, nghĩa là quấn quanh cái, lấy cái le serviette, lấy cái khăn quấn quanh người, đó, quấn quanh ở trong đó, cuộn lại ở bên trong đó, en s'enveloppant dans le serviette. Je demande à mon frère où je pourrais voir aussi une partie de chasse. Chasse, mình hỏi người anh của mình là nơi nào mình có thể sẽ mình có thể đi xem, cũng có thể nơi nào mình cũng có thể đi xem được một trận đi đi săn, một trận une partie de chasse, vous voyez là une partie de balle, là c'est où là dans l'eau rồi đó, une partie de ballon, une partie de balle, une partie de ballon, une partie de chasse nghĩa là đi một trận, một đợt đi đi săn, xem một đợt đi săn, avec des chasseurs, những người thợ săn, qui chasse là những người thợ săn, săn những con thú, săn những con thú. Mais il me dit, nhưng mà người anh nó mới nói mình nghe là ce sont des sports pour nos pères, đây là những cái môn thể thao cho anh, cho bố mẹ, dành cho bố, những người lớn. Mais pas pour nous, nhưng không phải dành cho chúng ta. Et puis pour voir des chasseurs, và còn hơn nữa, et puis thêm nữa, pour voir des chasseurs, để nhìn thấy, để coi mấy cái ông người đi thợ săn. Il faut aller dans la forêt, phải đi vào trong trong rừng cơ. Bon, maintenant, comme d'habitude, il faut répéter pour la dictée. Ok? Je vais répéter la lecture pour que vous puissiez écrire comme dictée. L'après-midi, nous retournons au terrain de sport. L'après-midi, nous retournons au terrain de sport et nous demandons s'il y aura encore des courses. Et nous demandons s'il y aura encore des courses. L'après-midi, nous retournons au terrain de sport et nous demandons s'il y aura encore des courses. Point. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Mais sur le terrain, des jeunes gens et des jeunes filles font des mouvements ensemble. Mais sur le terrain, des jeunes gens et des jeunes filles font des mouvements ensemble. Font des mouvements ensemble. Point virgule. C'est très joli à regarder.
C'est très joli à regarder. Trois points. La suite. Puis nous demandons où sont ceux qui nagent. Puis nous demandons où sont ceux qui nagent. Il paraît qu'ils sont là-bas. Il paraît qu'ils sont là-bas. Point. J'y vais. J'y vais. Point. Les voilà, deux points. Les voilà, deux points. Ils nagent en ligne droite. Ils nagent en ligne droite, virgule. Puis reviennent, virgule. Puis repartent, point. Puis reviennent, puis repartent. Les voilà, ils nagent en ligne droite, puis reviennent, puis repartent. Nous voyons aussi une partie de ballon dans l'eau. Nous voyons aussi une partie de ballon dans l'eau. Point. Les jeunes gens courent et tournent dans l'eau en riant. Les jeunes gens courent et tournent dans l'eau en riant. Virgule. Ils mouillent leurs cheveux. Ils mouillent leurs cheveux. Virgule. Ils ont la bouche pleine d'eau. Ils ont la bouche pleine d'eau, virgule. Mais ils rient encore plus fort. Ils ont la bouche pleine d'eau, virgule. Mais ils rient encore plus fort, point. Mais ils rient encore plus fort, point. Ils sortent de l'eau en se frottant le dos pour essuyer. Ils sortent de l'eau en se frottant le dos pour pour s'essuyer. Ils sortent de l'eau en se frottant le dos pour s'essuyer et pour se sécher. Et pour se sécher, virgule. Et en s'enveloppant dans leur serviette. Et en s'enveloppant dans leur serviette, je demande à mon frère où je pourrais voir aussi une partie de chasse. Je demande à mon frère où je pourrais voir aussi une partie de chasse. Ouvrez et fermez les parenthèses. Avec des chasseurs qui chassent des animaux. Avec des chasseurs qui chassent les animaux. Fermez les parenthèses. Point. Mais il me dit, deux points. Mais il me dit, ce sont des sports pour nos pères, virgule. Ce sont des sports pour nos pères, virgule. Mais pas pour nous. Mais pas pour nous. Point. Et puis, virgule, pour voir des chasseurs, virgule, il faut aller dans la forêt. Et puis, pour voir des chasseurs, il faut aller dans la forêt. Ce sont des sports pour nos pères, mais pas pour nous. Et puis, pour voir des chasseurs, il faut aller dans la forêt. Voilà. C'est terminé notre dictée et c'est aussi terminé notre première vidéo sur le cours. On se donne le rendez-vous à la deuxième et la troisième, comme d'habitude. Au revoir.